Devant moi, les deux nouveaux modèles d'Anche, d'Anario, réserve et réserve classique. Quelles sont les différences? Je vais déjà vous jouer un petit peu de chaque Anche. Tout de suite, la réserve. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une rondeur dans le son, il y a une facilité d'émission et une patte sonore très intéressante, très, très dense. Voilà, le legato aussi est tout de suite très très bon quand on va dans les registres aigus. Ça, c'est sans doute dû à pas mal de bois dans le cœur de l'Anche. Et maintenant, je vais vous jouer un petit peu de la réserve classique. Donc c'est le même numéro d'Anche, c'est 2, 3,5. Peut-être que les réserves sont calibrées un tout petit peu au-dessus des réserves classiques, c'est pour votre information. Mais ça reste complètement jouable. Si vous jouez un 3,5, vous serez totalement acquis aux deux modèles. Ce qui est frappant là, c'est d'avoir avec la réserve classique un timbre très riche, extrêmement riche, peut-être un peu plus riche qu'avec la réserve, un son un peu plus pénétrant, une facilité d'émission excellente. Voilà.